Donc cette fois-ci, ça va être d'abord aborder le Maghreb par le prisme de l'économie, des économies des différents pays qui composent le Maghreb. En l'occurrence, aujourd'hui, nous nous arrêterons sur trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Trois pays qui sont marqués par des économies en crise. Et qui n'arrivent pas à répondre à la fois à la croissance démographique, aux attentes d'une population extrêmement jeune, qui a souvent pour horizon soit un chômage endémique d'un côté, soit l'exil, prendre une patera et aller de l'autre côté dans l'Eldorado européen, en France tout particulièrement. Pourtant, des richesses, ces pays en ont, et ces pays nous posent une question, c'est celle du Maghreb. Souvent, on a parlé de la non-Europe. Aujourd'hui, on parle beaucoup du non-Maghreb, de cette incapacité du Maghreb à faire front commun pour aborder les grands défis d'aujourd'hui, à la fois à l'échelle régionale, mais surtout à l'échelle internationale. Comment le Maghreb se débrouille-t-il dans cette économie mondialisée face à ce rouleau compresseur de la mondialisation? On voit qu'il est en tous les cas dans une position subalterne. Mais est-ce un fardeau? Est-ce une échéance qui ne verra jamais le jour? C'est ce que nous allons nous poser comme question là aujourd'hui. Alors, avec une question auquel j'aimerais que nos différents invités répondent, c'est est-ce qu'on peut revenir à cet idéal d'un Maghreb uni qui était si cher au lendemain des indépendances? Avec nous, pour évoquer donc tous ces enjeux, quatre personnes qui, chacun à leur niveau, vont nous raconter un petit peu les trois pays qui composent le Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et bien sûr, demain, est-ce qu'on peut composer, se hisser à un autre niveau que le niveau actuel dans l'économie mondiale? Je vais commencer par vous présenter Selma Mahmoud. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialisée en risque d'intégrité de gouvernance dans la zone MENA. Vous avez été couronnée par plusieurs prix. Vous avez récemment publié Les champions nationaux, l'équation du développement au Maroc. C'était aux éditions En toutes lettres et c'était cette année. À vos côtés, Sofiane Tahi. Bonjour Sofiane. Vous êtes, alors je me perds dans mes fiches, vous êtes économiste, vous êtes directeur de l'IUT de l'Oise à l'Université de Picardie, spécialiste de la globalisation économique, vous travaillez sur les résistances et les politiques d'innovation et vous militez ardemment pour une alliance appuyée des firmes européennes et maghrébines, car l'intégration régionale des pays du Maghreb à l'Union européenne apparaît comme la seule option susceptible de contribuer significativement au désenclavement de ces pays et à leur insertion active dans l'économie mondiale. On a également Abdennour Kerraman. Bonjour. Abdennour, vous êtes alors là aussi un CV très long, très riche. Vous êtes fondateur et dirigeant de la revue Med Energy. Vous avez été ancien ministre délégué à la formation professionnelle et ancien ministre de l'industrie et des mines en Algérie. Vous avez par ailleurs exercé de nombreuses fonctions dans des entreprises des secteurs publics et privés. Le directeur général de la Société algérienne de l'électricité et du gaz, la Sonelgaz, président du comité maghrébin de l'énergie électrique Comelec et du comité algérien de la World Energy Conference. Vous êtes également vice-président de l'Union algérienne du gaz, directeur exécutif de l'entreprise italo-algérienne Transmediterranean Pipeline Company. On aura une question, je pense, à vous poser qui concernera tout particulièrement l'Algérie et comment l'Algérie, qui est confrontée aujourd'hui à une question centrale, comment peut-elle se sortir de cette économie de la rente, de cette dépendance pétrolière. Sami Hamami, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Sfax dans le département d'économie en Tunisie. Vous avez rédigé de nombreux articles pour des rapports édités par Helvétière et le CNRS. Vous interrogez les rapports entre croissance économique et émissions de CO2. Votre spécialité, c'est de l'énergie, la pollution, la mondialisation et les politiques industrielles en Tunisie. Bref, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je vous propose qu'on commence avec vous, Abdennour.
Alors, vous avez un axe qui est celui de la transition énergétique comme un levier potentiel pour l'intégration au Maghreb. Je vous laisse commencer. Voilà, vous avez un petit quart d'heure devant vous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers amis. Je remercie les responsables de l'IREMO et les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à cette conférence consacrée. J'ai choisi le second volet de votre titre, aux perspectives de changement, donc, et non pas aux impasses, dans cette région qui nous est si chère et qui a bercé les espoirs de jeunesse de ma génération, alors qu'à quelques pas d'ici, au 115 boulevard Saint-Michel, le foyer des étudiants maghrébins, qui abritait le foyer des étudiants maghrébins à l'époque, nous échafaudions ensemble des projets qui devaient nous conduire d'abord vers nos indépendances, ensuite vers la construction de notre destin commun. Et si je rappelle avec une certaine émotion ces souvenirs impérissables et ces moments d'enthousiasme vécus il y a maintenant un demi-siècle, c'est parce que malgré les désillusions, malgré le retard que nous avons accumulé, je crois encore personnellement, je continue à croire à la réalisation de ce destin commun pour le bonheur de nos peuples. Comment ne pas y croire lorsqu'on sait que le Maghreb constitue, de mon point de vue, l'ensemble le plus homogène de tous ceux que je connais dans le monde, qu'il s'agisse de l'Europe, des Amériques ou de l'Asie, avec des États qui ont une longue histoire commune, durablement attachés aux mêmes civilisations, parlant les mêmes langues, ayant la même culture. Est-il besoin de rappeler les nombreux avantages de cet ensemble, à commencer par une situation géographique privilégiée qui lui confère des ouvertures sur tous les continents, des richesses naturelles variées, des infrastructures solides et surtout, on n'insistera jamais assez, un potentiel humain et intellectuel de haute qualité, on peut le dire en toute modestie. Si les États qui constituent cet ensemble important à tous égards n'arrivent pas encore à décoller sur un plan économique et peinent à dépasser un taux de croissance de 4%, ce qui est nettement insuffisant dans des pays jeunes ou en pleine croissance, perdant au moins 3 points annuellement, je dis bien au moins, certains parlent de 5 points de croissance du fait de la non-intégration. Si le commerce interrégional entre ces pays ne dépasse pas les 3%, alors qu'il est de 70 à 80% avec l'Europe, c'est parce qu'on semble quelque part consciemment ou inconsciemment avoir opté pour la solution du cavalier seul, en mettant en exergue pour les uns les richesses naturelles, elles sont épuisables, pour les autres la stabilité et la sécurité. On sait bien illusoire quand on sait, voit les exemples que nous avons eus ces dernières années, où en développant des trésors de charme pour s'arrimer à l'Europe, aux États-Unis, à la Chine, à la Russie. Mon affirmation est claire, la solution ne viendra pas des autres. Elle est en nous. Elle est dans nos têtes, elle est dans nos chairs, elle est par notre sueur, elle est par notre sang. Elle est dans l'intégration. Aussi, je me propose d'explorer avec vous la piste de l'intégration autour de la transition énergétique qui, de mon point de vue, pourrait créer des liens d'interdépendance très forts entre les pays du Maghreb. Cette affirmation n'est ni gratuite ni utopique. Elle s'appuie sur l'expérience que j'ai vécue personnellement dans le secteur de l'énergie électrique que j'ai eu, comme vous avez eu l'amabilité de le rappeler, eu l'honneur de diriger dans mon pays pendant plus d'une décennie. Elle prend en considération, cette affirmation prend en considération une réalité, l'aspiration profonde des peuples du Maghreb, en particulier des jeunes. On n'a qu'à poser la question, faire des sondages. Les jeunes aspirent à l'union.
Elle est aussi dictée par l'intérêt commun et elle repose sur des traditions de coopération solide en matière énergétique et sur un enchevêtrement des réseaux électriques et gaziers très dense entre ces pays, mais aussi entre ces pays et l'Europe. Quels sont les atouts du Maghreb en matière énergétique ? D'abord, des ressources énergétiques relativement abondantes, qui, en tout cas, sont nettement supérieures à leurs besoins, même si elles sont inégalement réparties, d'autant plus que tous les experts s'accordent à dire que le sous-sol du Maghreb est nettement sous-exploré et que des ressources restent à découvrir, notamment en matière non conventionnelle, en offshore et dans des régions où on n'a pas encore fait de découvertes, comme au Maroc. Le gaz naturel occupe une place privilégiée. Il est abondant en Algérie et en Libye. Il y en a encore. Il y en a aussi au Tunisie, pas encore au Maroc, mais ça viendra probablement. Les géologues disent même certainement. L'expansion du réseau national de gazoducs qui avait pour finalité à l'origine l'approvisionnement du marché européen a entraîné a constitué un vecteur majeur de coopération avec l'Europe et a entraîné la connexion de ces réseaux depuis 30 ans, plus de 30 ans pour le Maroc, pour la Tunisie et depuis plus de 20 ans pour le Maroc. Néanmoins, si ces connexions gazières ont permis quelques avancées en matière d'approvisionnement et aussi d'environnement, elles n'ont pas constitué encore jusqu'à présent un facteur déterminant de la coopération maghrébine. Les recommandations des différentes conférences régionales relatives à la mise en œuvre de projets communs de développement énergétique et d'opérations de partenariat intermaghrébin n'ayant pas toujours été suivies d'effet pour l'instant. Les pays disposent de compagnies nationales qui coopèrent entre elles. La coordination se fait même si elle n'est pas complète. Les ministres en charge de l'énergie des cinq pays se réunissent régulièrement dans le cadre de l'UMA pour essayer de promouvoir des projets communs. Et au titre des atouts, puisque là je cite les atouts, on peut citer les nombreuses institutions de formation en matière énergétique qui existent dans tous ces pays. L'Institut algérien du pétrole en Algérie, l'Institut des mines et du phosphate au Maroc, l'Institut des méditerranéens des énergies renouvelables en Tunisie, par exemple. Le deuxième atout sur lequel je voudrais insister, c'est dans ces pays ont un secteur électrique puissant. J'emploie le terme à dessein, avec interconnexion complète des réseaux électriques et l'existence d'un organisme de coordination, le Comité maghrébin de l'énergie électrique. À l'instar des pays développés, les pays du Maghreb sont quasiment totalement électrifiés, avec des capacités de production suffisantes et une croissance régulière de 3 à 5 %, alors que dans les pays industrialisés, c'est de l'ordre de 2 % au maximum, de 2,5 %. La production est d'origine thermique. J'ai parlé d'origine thermique et surtout gaz en ce qui concerne l'Algérie, la Tunisie, pétrole, charbon au Maroc. Les réseaux électriques, comme je l'ai dit, sont reliés par plusieurs interconnexions. Il y a trois lignes d'interconnexion en tension entre le Maroc et l'Algérie. Il y en a cinq entre l'Algérie et la Tunisie. Il y en a trois également entre la Tunisie et la Libye. C'est dire l'intensité des infrastructures qui existent. Cependant, il faut signaler que les échanges sont marginaux au regard des potentialités, alors que le Maroc importe environ 18 % de ses besoins en électricité d'Espagne. La situation du Maghreb dans le domaine de l'énergie est également marquée par un acquis de taille, l'existence de ce comité qui existe depuis 1973, bien avant la création de l'UMA,
nous avions, les électriciens du Maghreb ont créé le comité qui continue à fonctionner, qui fonctionne régulièrement et qui va avoir une prochaine réunion, d'ailleurs, d'ici la fin de cette année. Le troisième atout, c'est l'existence et la promotion des énergies renouvelables. Comme, outre les combustibles fossiles, les pays du Maghreb disposent d'un potentiel considérable en énergie renouvelable, surtout solaire, mais aussi éolien dans certaines régions. Et les pouvoirs publics ont mis en place des politiques pour promouvoir les énergies renouvelables. Le Maroc, par exemple, ambitionne d'avoir une production d'une production d'électricité en renouvelable de 42% en 2020. L'Algérie a un objectif équivalent de 40% à l'horizon 2030. La Tunisie a un plan solaire extrêmement important pour renouveler le parc électrique. Le problème, c'est que pour l'instant, chacun de ces pays s'est lancé en cavalier seul, comme je l'ai dit, mais une coopération commence à se dessiner. C'est ainsi que le comité maghrébin de l'énergie électrique, dont je vous ai parlé, qui existe depuis 1973, a tenu, lors de sa cinquième session générale, conférence générale, en novembre 2012, il y a 6 ans, à Tunis, avait recommandé avec insistance une coopération plus étroite des opérateurs et une meilleure intégration des systèmes pour le déploiement des énergies renouvelables à l'échelle de la région. La conférence qui a suivi, le comité tient ses conférences tous les 3 ans et qui s'est tenue à Rabat, à laquelle d'ailleurs j'ai eu l'honneur d'assister, on m'invite en tant que membre fondateur, même si je n'ai plus aucune activité, a fait des recommandations dans le même sens. Quels défis attendent le Maghreb? Le premier, c'est celui de la demande en énergie et de l'efficacité énergétique. Il faut absolument que nous réduisions ce taux de croissance, d'autant plus que certains pays, comme le mien, repartent en ce qui concerne la croissance démographique. Il faut absolument... Rappelez que votre pays, c'est l'Algérie. Voilà. Ah oui, mon pays, c'est l'Algérie, oui. Je vous l'avais dit, excusez-moi. Donc, il y a là un potentiel important qu'on estime à 20% de la demande en énergie. Il faut absolument réduire la demande en énergie. Et l'un des instruments les plus efficaces est la révision de la politique de soutien aux tarifs des produits énergétiques pratiqués de manière trop généreuse par bon nombre d'États de la région. D'ailleurs, le Maroc et la Tunisie se sont déjà attaqués au problème. L'Algérie l'a fait timidement l'année dernière. J'espère que cette tendance va maintenant s'accentuer de manière à ce que les gaspillages c'est une perversion. On dit qu'on soutient, mais on ne soutient pas les faibles. En réalité, on soutient les riches, puisque c'est eux qui consomment le plus. Le deuxième défi, c'est l'adoption d'un mix énergétique plus adapté en réduisant la part des combustibles fossiles. Aujourd'hui, on est à 97% pour le Maghreb. Donc, l'énergie fossile, le faire passer à 80% en accroissant la production... l'utilisation des énergies renouvelables pour la production électrique, je l'ai dit, là, il y a une tendance très nette dans ce sens. En d'autres termes, et sans vouloir verser dans le mimétisme, les pays du Maghreb devraient adopter, à l'instar du triptyque 20-20-20 de l'Union européenne, des objectifs de long terme plus volontaristes en matière de renouvelables, pour amorcer une véritable transition énergétique. Le troisième défi, c'est les infrastructures existent. Il faut absolument y aller, lancer un marché maghrébin de l'électricité qui, par sa dynamique, n'oublions pas qu'il y a 100 millions d'habitants et qu'il y en aura 140 à l'horizon 2050, pourra fonctionner de manière à la fois intéressante, mais surtout constituer un partenaire de poids pour l'Europe
à laquelle nous sommes connectés électriquement, puisqu'il y a deux câbles sous-marins entre le Maroc et à travers le détroit de Gibraltar, pour malheureusement aujourd'hui pour l'importation, mais j'espère demain pour l'exportation à partir de ressources combinées Algérie-Maroc vers l'Espagne. Notre plus grand défi, et je vais aller vers la conclusion, c'est de passer de la coopération à l'intégration. Comme je l'ai dit, la 5e conférence générale du Comité maghrébin de l'électricité a indiqué de manière très nette que c'est dans ce sens qu'il faut aller, et aucun de nos pays ne pourra s'en sortir en faisant cavalier seul. Je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, une nouvelle conférence est prévue à Nouakchott, comme je vous l'ai dit, avant la fin de cette année. Et les électriciens du Maghreb, réunis au sein du COMELEC, tiendront leur 7e assise à Nouakchott sur ce thème éminemment d'avenir, les réseaux intelligents pour l'accélération de l'intégration des renouvelables dans le système électrique maghrébin. C'est ça le thème de la conférence. En conclusion, je considère que la coopération maghrébine en matière d'énergie a permis des avancées certaines, même si elles sont insuffisantes et en deçà de nos espérances et des potentialités. Il y a des réalisations tangibles, je ne les ai pas toutes citées, j'en ai cité quelques-unes, même si elles sont insuffisantes. Beaucoup reste à faire certainement au regard du formidable potentiel existant et des bénéfices significatifs à retirer d'une intégration plus complète des systèmes énergétiques de la région. Nombreuses conférences régionales sont organisées sur ce thème et aboutissent à la même conclusion. Nous devons passer de la coopération à l'intégration. Mais une véritable intégration régionale sur la base d'un nouveau mixte énergétique et non pas le charbon doit disparaître dans nos régions. Il faut aller vers le gaz naturel, qui est beaucoup plus vertueux du point de vue de l'environnement et qui existe en quantité importante. Il faut diminuer, comme je l'ai dit, la demande en énergie. Il faut développer au maximum la production et le développer au maximum les énergies renouvelables. C'est une stratégie qui est à la fois possible, mais qui nécessite un effort courageux et intensif dans le cadre d'une coopération loyale et surtout dans un élan collectif soutenu par une coopération à la fois sud-sud, qu'il faut renforcer, et une coopération nord-sud, plus intelligente, et accru. Naturellement, cela suppose une vision globale et concertée et un climat de confiance qui fait défaut cruellement aujourd'hui. Il appartient aux dirigeants des pays du Maghreb de créer un tel climat de confiance, de transcender leurs divergences, d'écarter tout chauvinisme et de promouvoir les réformes politiques, économiques, institutionnelles et de bonne gouvernance, mais aussi, j'insisterai sur ce point, de privilégier l'intelligence ou l'allégeance. Il s'agit là d'une aspiration, le Maghreb est une aspiration profonde, sincère et durable des peuples de la région. Et dans ce contexte, je suis persuadé que l'énergie sera un facteur décisif d'intégration et de développement significatif en faisant jouer les synergies, mais aussi l'expérience que nous avons acquise, dont je vous ai dit deux mots en ce qui concerne l'électricité. Et dans un cadre intégré, les ressources de la région seront suffisantes, non seulement pour faire face aux besoins énergétiques locaux,
mais pourront contribuer à ceux de l'Europe voisine, qu'il s'agisse du gaz ou de l'électricité verte, dans le cadre des projets en cours dans le bassin méditerranéen. Je vous remercie. Merci Abdennour pour votre intervention, qui est une note très, très optimiste, pleine d'espoir pour une union au Maghreb. Mais excusez-moi si j'amène un peu de pessimisme. Comment créer un grand marché de l'électricité maghrébin quand on voit l'insignifiance aujourd'hui des échanges intermaghrébins qui ont eu finalement pour conséquence seulement de créer des échanges transnationaux illégaux, notamment par exemple entre la France, entre le Maroc et l'Algérie. Et on sait, c'est notamment plombé par cette rivalité des deux frères du Maghreb, qu'on dit souvent les deux frères ennemis, du Maroc et de l'Algérie. Alors, vous aurez chacun l'occasion, je pense, d'y répondre d'ici à la fin des différentes interventions. Mais peut-être que vous, Sofiane, Tahi, vous allez pouvoir déjà un peu y donner une réponse, puisque vous allez nous parler de l'Algérie. Alors, l'Algérie, dont le modèle économique fut longtemps le plus ambitieux et qui se révèle aujourd'hui être le plus problématique à l'échelle du Maghreb, et qui est notamment prisonnier de cette rente pétrolière. Je vous laisse intervenir. Merci Rachida. Alors moi je tiens tout d'abord, après cette excellente présentation, vous dire que par contre moi je vais casser l'ambiance. Je vais être un peu plus pessimiste malheureusement. Pour revenir un peu au titre de la table ronde qui est mondialisation, est-ce que le Maghreb est étranglé dans la mondialisation ? Moi j'ai envie d'aller plus loin en disant oui c'est une évidence, mais j'ai envie de terminer la phrase en disant par qui ? Et je pense que c'est autour de cette deuxième question déclinée que je souhaiterais aussi intervenir. Alors étant franco-algérien, c'est vrai que je suis toujours habité par une schizophrénie lorsque je parle de l'Algérie en France. Le « nous » que je pourrais employer des fois voudrait dire « nous algériens » et des fois « nous français », je vous laisserai deviner. Pour revenir un peu à cette question de ce modèle algérien, et je terminerai ensuite par une ouverture sur le Maghreb. Alors, l'Algérie, contrairement à la majorité des récits, en fait, tout a très très mal commencé en 1962, donc juste après l'indépendance du pays. Puisque juste après l'indépendance du pays, sur l'un des modèles économiques qui s'est imposé par lui-même, ça a été... Alors, je n'étais pas né à l'époque, mais j'entendais parler les gens autour de moi. Ça a été la gestion des biens vacants. Autrement dit, ça me rappelait un peu les Sooners pour l'Oklahoma, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des États-Unis, à savoir le premier arrivé, le premier servi. Et ça a été donc comment une partie de la population, essentiellement parfois des opportunistes, ont pu mettre la main sur ce qui était vacant suite au départ des Français, des Pieds-Noirs, etc. Et ça a été déjà un signe de ce que l'Algérie allait connaître. Tout au long de la décennie 60, 70 et 80, on a eu... moi, je suis né à Alger. J'ai fait toutes mes études à Alger. Et je suis arrivé en France à l'âge de 21 ans, donc très tard. Et donc, j'ai la moitié de ma vie passée à Alger et la moitié passée en France. Et je me rappelle, donc, j'ai vécu ce que l'Algérie avait initié à l'époque comme modèle. Et on avait, en effet, des décisions économiques qui étaient basées plus, à mon sens, sur une approche même pas politique, mais politicienne. Et la gestion des biens vacants, qui a fait apparaître certains propriétaires qui n'auraient pas dû l'être au sens économique, ni même social, s'est prolongée jusqu'aux années 80. Années 80, où la politique consistait, en gros, à expliquer aux Algériens qu'ils étaient en droit d'aspirer à une meilleure vie, a fait que l'Algérie s'est retrouvée, fin des années 80, ruinée, notamment suite au premier choc pétrolier ou contre-choc, selon où on se trouve. La première période, à mon sens, qui était synonyme d'espoir pour l'Algérie dans tous les sens, ça a été les années 90-91, où l'Algérie se retrouvait à la fois politiquement... en train d'initier
et c'était l'un des premiers pays arabes à le faire, cette aventure démocratique qui malheureusement s'est soldée par ce que nous savons par la suite, mais ça a été à l'époque un espoir extraordinaire pour les Algériens. Deuxième volet sur le plan économique à l'époque, c'était aussi le tournant que l'Algérie souhaitait prendre, à savoir l'économie de marché. Et j'avais suivi, à titre personnel aussi, je me permets d'ouvrir une parenthèse par rapport à ma vie familiale, puisque mon père étant l'un des acteurs privés en Algérie, à l'époque surtout, ben on avait suivi comment, notamment, le gouvernement Hamrouch avait commencé à initier la charte sur l'investissement, les lois sur l'investissement, le cadrage, la concurrence, la déréglementation, la privatisation. Et ça a été vraiment, là aussi, un espoir qui, malheureusement, comme pour le volet politique, n'a pas donné lieu à ce qu'on souhaitait. Et puis, le virage ayant été raté en 91, politiquement et économiquement, il y a eu la période décennie noire, et puis ensuite année 2000. Année 2000 qui a connu une prospérité. L'Algérie a connu une prospérité où on parle aujourd'hui des fameux 1000 milliards que l'Algérie aurait donc engrangé pendant toute cette période. Les 1000 milliards ont été consommés à la fois dans des actions là aussi politiciennes. Je cite par exemple l'ANSEJ qui a été et qui est un programme d'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat. L'ANSEJ qui a coûté quelque chose comme 10 milliards d'euros, c'est pas rien. Sur les 10 milliards d'euros, les statistiques, y compris gouvernementales, montrent que 50% n'ont pas été remboursés. Sur le reste, malheureusement, ça a été des projets qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont pas duré et qui n'ont pas été productifs. Beaucoup disent que, en fait, cet argent-là a été utilisé pour l'achat de ce qu'on appelle la paix sociale, en fait. Et malheureusement, au lieu de profiter à la fois de l'achat de cette paix sociale, mais de manière intelligente, autrement dit, accompagner les jeunes dans la création d'un système productif sur le long terme qui pourrait embaucher, qui pourrait créer, qui pourrait initier, malheureusement, ça a été vraiment beaucoup de projets qui étaient censés acheter des tracteurs, se sont vus en train d'acheter des berlines, ce qui n'était pas l'objectif du tout de l'ANSEJ. On a eu aussi la création de très très grosses fortunes. On a vu l'apparition de jeunes extrêmement talentueux, puisqu'à 30 ans, ils se lançaient dans les affaires, et à 31 ans, ils étaient à la tête d'un empire. Les seules success stories à cet âge-là, ils ont dû passer par Rothschild. Alors, toute cette fortune-là était amassée par décret, quasiment. Par décret, autrement dit, dès lors qu'on souhaitait porter un homme d'affaires, entre guillemets, au sens mafieux, je suis arrivé ce matin très tard, et donc j'ai entendu un de nos collègues parler de ça, justement, a été par décret, autrement dit, bon voilà, sur les importations, eh ben, il y avait une segmentation de l'importation. Que pour accélérer les fortunes, eh ben, il fallait une loi, on votait une loi pour permettre des fortunes. Je cite l'un des plus connus en France, en tout cas, l'affaire Khalifa. L'affaire Khalifa, un jeune homme qui part de pas grand-chose pour arriver à ce que vous savez, il est évident qu'il était tout simplement la traduction un peu de cet affairisme et de l'émergence de ces nouveaux riches. Alors ces nouveaux riches et cette classe affairiste peut être synthétisée en une photo que j'avais vue dernièrement. Ça a été lorsque l'actuel homme d'affaires algérien Ali Haddad, qui embrassait lors d'un événement, je crois que c'était des obsèques, l'ancien chef des groupes armés GIA Abdelhak El-Iyad. Bref, lorsque vous avez cette bise qui a été claquée en marge d'un événement dont je ne me rappelle plus, je pense que c'est vrai que ça jette le trouble sur la manière dont à la fois les anciens émirs se sont retrouvés et sont aujourd'hui à la tête de fortune et à la tête de projets économiques. Donc c'est vrai que ça pose question. Et puis aussi de certains hommes d'affaires algériens. Je ne veux pas être très désagréable à l'encontre de M. Ali Haddad, dont je ne connais pas, mais c'est vrai que quand on les voit prendre la parole, on se pose la question sur comment ils ont pu arriver à ce stade-là et à ce niveau d'affaires, si ce n'est par un parrainage nécessairement politique et ou militaire.
Bref, on se retrouve aujourd'hui donc avec une situation qui est très problématique. Sur le plan politique, les années 2000 ont été celles, on en parlait tout à l'heure avec professeur Richer, ont été en Algérie celles de la démocratie à l'algérienne, autrement dit une démocratie où cause toujours. Et c'est vrai que Xavier Richer me disait, j'ai été très étonné lorsque j'allais en Algérie et que je lisais la presse algérienne, elle est extrêmement libre. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est quasiment au même niveau en termes de liberté que le Canard enchaîné parfois, elle était, ou que Mediapart, sauf qu'il ne se passait rien. Oui, il y avait des preuves, oui, tout était dénoncé, et après, rien. Et donc c'était une invention algérienne, là encore, caractéristique des années 2000. Et puis, on arrive à l'état des lieux aujourd'hui. Aujourd'hui, la roue tourne. Les 1000 milliards semblent être derrière nous. On retrouve une économie qui est complètement déstructurée. Aucun système productif au sens où aurait mérité l'Algérie, notamment suite à ce qu'elle a pu amasser pendant toutes ces années. On s'est retrouvé aussi avec une économie où tout le monde est dans l'illégalité en Algérie, ou quasiment tout le monde. Toute ma famille, quand je descends à Alger, et c'est vrai que... ils n'avaient pas tort quand ils me disaient « Regarde bien, en fait, on est poussé à être dans l'illégalité. Par contre, on ne fait rien. L'État laisse. Vous voulez construire sans permis de construire ? Allez-y. C'est interdit, mais allez-y quand même. Vous voulez ouvrir une entreprise sans déclarer la totalité des activités ? C'est interdit, mais allez-y quand même. Vous voulez ouvrir des chaînes télé ? C'est pas rien. Une chaîne télé, allez-y. Mais sachez que c'est interdit. Et à chaque fois qu'il y a un point qui dérange le gouvernement, économiquement ou politiquement, on rappelle la loi et on signifie à la personne qu'elle est du coup hors la loi. Et à chaque fois, on se retrouve avec ce même manège. Et ce qui est valable pour les entreprises l'est aussi pour l'ensemble des Algériens. On se retrouve avec une situation, par contre, qui est beaucoup plus gênante, à mon sens, celle du capital humain algérien. L'Algérie a su... former, depuis l'indépendance jusqu'aux années 2000, des gens de très très grande qualité. Malheureusement, l'école algérienne, le système, les événements ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, comme disait une sociologue, on se retrouve avec une génération qui est quasiment une génération d'illettrés bilingues, ne maîtrisant ni le français, ni l'arabe, mais encore moins l'anglais. Une génération au carrefour qui n'aspire qu'à une chose, en fait, c'est de partir. C'est de partir, vous me direz, comme je l'ai fait certainement moi, donc c'est pour ça qu'à un certain moment, il y a une partie du vécu, mais nous, on était partis aussi avec quasiment une feuille de route en termes d'études et de carrière, mais aujourd'hui, la jeunesse algérienne, ça n'aspire qu'à une chose, c'est de quitter le pays, malheureusement. Alors, on se retrouve aussi avec, et je vais essayer de faire vite, avec une synthèse qui est extraordinaire, et j'aurais peut-être dû appeler ou intituler mon intervention « Soglil ». Soglil, traduction littérale, c'est le marché de la nuit. C'est aujourd'hui la chanson qui est chantée dans les stades algériens. J'invite ceux qui comprennent un peu l'arabe à aller regarder, à aller lire, et puis je crois qu'il y a des versions qui sont traduites, et je crois qu'il y a une au Maroc là, actuellement qui fait... Ça mérite très sincèrement une table ronde à l'IREMO. Vraiment. Ça veut dire que l'analyse que font ces jeunes sur les 4 mandats du président Bouteflika, sur le 5e en perspective, l'analyse de la situation économique et sociale, le pourquoi des décisions politiques. Alors, je ne sais pas qui a écrit ces paroles. D'ailleurs, il semblerait que les services de renseignement essaient un peu de mettre la main dessus. Mais c'est digne d'une analyse politique de haute voltige. Alors... tout à l'heure, on parlait du printemps arabe. Voilà pourquoi la sortie de crise, à mon sens, doit être imminente. Imminente parce que ce qui s'est passé en 2011, je pense que ce n'est pas le printemps arabe, c'est plutôt l'hirondelle. Et l'hirondelle ne fait pas le printemps. C'est une hirondelle qui a malheureusement montré qu'il y a un échec, un rendez-vous qui a été manqué. Le traumatisme que... les pays arabes ont vécu à travers ce qui s'est passé en Tunisie, le collègue en a parlé mieux que moi ce matin, mais aussi en Égypte, a montré qu'il y a une très forte déception. Cette déception
risque malheureusement de se traduire dans la prochaine révolution qui sera un printemps, mais qui sera à mon sens beaucoup plus violent. Pourquoi ? Parce que ce qui a été tenté il y a quelques années, malheureusement, n'a pas réussi, ou du moins les gens voient qu'il n'a pas réussi. Cette tentative de dire on tourne la page et on reprend les affairistes d'avant, les anciens régimes, etc., puis on va essayer de les recycler, ils ont vu que ça ne marchait pas. Et voilà pourquoi, à chaque fois, quand on discute avec les jeunes dans ces pays, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, que je connais très bien, je connais beaucoup moins bien la Tunisie, malheureusement, et l'idée, c'est de dire la prochaine sera la bonne. Et autrement dit, la sortie de crise doit être extrêmement importante. Alors, la sortie de crise, pour terminer et pour conclure, il y a deux possibilités. La première, je n'y crois pas malheureusement, peut-être de par mon vécu, c'est celle d'une solution algéro-algérienne ou maghrébo-maghrébine, seule. Ce qui me chagrine dans ce que M. Kerman a dit, c'est qu'il a raison dans tout ce qu'il a dit. Mais malheureusement, c'est là peut-être où il y a, si vous permettez, un petit point de divergence, c'est que je ne pense pas que les Algériens seuls ou les Maghrébins seuls puissent aller de l'avant et puissent justement concrétiser notre souhait à tous, et cette fois-ci le « nous », vous avez compris, c'est en tant qu'Algérien, notre souhait à tous, c'est justement d'une zone maghrébine ouverte, un peu à l'image de ce qui se fait en Europe. Le deuxième scénario qui, à mon sens, est le plus probable, c'est celle d'un rôle plus important de l'Europe et surtout de la France. Je pense que ça serait se mentir que de dire que la France n'a plus de poids sur ces pays différemment ou sur même la construction de l'Union du Maghreb arabe. Et ça, c'est clair. Pour cela, je crois en un rôle extrêmement important de la France en tant qu'ancienne puissance coloniale. Certes, peut-être, et d'ailleurs on profitera à ce moment-là pour casser tous les tabous, puisque les tabous de cette période-là sont toujours présents en France, mais aussi en Algérie. En Algérie, ça a été même transformé en fonds de commerce. Mais je pense que ça sera l'occasion donc justement de discuter de tout ça, et puis d'essayer d'intégrer davantage la diaspora. Je sais que la diaspora marocaine est extrêmement importante, la diaspora algérienne aussi, peut-être un peu moins en Tunisie de par le nombre de la population tunisienne, mais c'est clair que c'est une équation à trois en fait. C'est à la fois l'Europe, et qui dit l'Europe dit la France, les gouvernements des pays du Maghreb et la diaspora qui doit être, autrement dit, le chaînon manquant jusqu'à présent entre les deux. Ce n'est que ça, parce que très sincèrement, et je conclurai avec ça, on peut tourner les choses dans tous les sens, soit en tant que Français, soit en tant que Maghrébin. Une chose est sûre, c'est que ces pays-là seront soit intègres, soit intégristes. Merci. Merci. Place à Selma Mahoud. Alors, vous allez nous parler, Selma, du Maroc. Alors, s'il y a bien évidemment des similitudes entre les différents modèles économiques marocains, algériens et tunisiens, il n'empêche qu'ils ont vraiment leur propre singularité. Celle du Maroc, j'ai envie de dire, elle a été peut-être de s'inscrire dans une sorte de stratégie à la fois sectorielle et territoriale. À titre d'exemple, Tanger est emblématique de ce que peut être une ville transnationale, mondialisée, avec à la fois ouverte sur le monde, même quasiment greffée sur le continent européen, avec l'arrivée d'abord de Renault, et aujourd'hui c'est devenu un gros hub industriel à l'échelle mondiale. Et puis, ça a permis le développement d'un territoire qui était délaissé, à savoir le nord du Maroc, même si le Rif n'en bénéficie pas véritablement à l'oriental. Donc, je vous laisse nous raconter un petit peu cette économie marocaine, sachant que vous allez vous consacrer un petit peu à l'expérience marocaine à travers les grands groupes qui la façonnent. Tout à fait, merci. Je voudrais aussi d'abord remercier les organisateurs et particulièrement professeur Xavier Richer de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Et oui, donc j'essaierai de parler un petit peu de l'économie marocaine en général, de la politique industrielle, des challenges, des échecs. Mais je souhaiterais aussi donner cette perspective un peu plus pointue, à savoir les rapports entre secteur public et secteur privé, parce que je pense que cet angle-là est peut-être
on va dire, commun au reste de la région. Et je vous fais la promesse de ne parler que pendant 15 minutes, pas plus. Et je vous invite à m'adresser des questions, à m'interrompre à n'importe quel moment. Je pense que ça nous permettra tous de maintenir notre attention et de rester éveillés. Alors, je partage beaucoup des idées qui ont été développées par les distingués intervenants. Je partage la note d'espoir de M. Karaman et je partage également le bilan, on va dire, un peu plus mitigé de la situation sociale et économique dans notre région. C'est vrai que nous faisons face à des défis en tant que pays, en tant que société, et ces défis ne sont pas dissimilaires. Oui, on peut relever la disponibilité de ressources dans notre région. Le point a été évoqué précédemment. Je dirais simplement que peut-être la plus importante ressource est la ressource humaine, à savoir la population jeune en âge de travailler, mais qui aujourd'hui a peu de perspectives. Mais malgré cela, malgré des développements importants dans la région, par exemple la lutte contre la pauvreté extrême, qui a quand même réalisé quelques succès, malgré le fait que le PIB par habitant a augmenté dans nos pays, d'après les chiffres de la Banque mondiale, entre 1960 et aujourd'hui, le PIB par habitant est passé de 164 dollars à plus de 3000 dollars au Maroc. En Algérie, de 244 à plus de 4000 dollars. Et en Tunisie, il est passé de 218 à presque 3500 dollars. C'est vrai, il faut parfois s'arrêter et se dire, OK, il y a quelque chose de positif qui s'est passé. Mais ce n'est pas suffisant parce que depuis les indépendances, les pays du Maghreb ont expérimenté des recettes de développement, des modes de gouvernance divers, diversifiés et parfois même plusieurs recettes. Mais nous faisons face obstinément aux mêmes défis. Nous restons confrontés à des inégalités sociales criantes. Nous restons confrontés à des services publics insuffisants et qui sont parfois délabrés. Et surtout, le taux de chômage, surtout parmi la population jeune urbanisée. Et tellement d'efforts ont été fournis, mais le taux de chômage reste obstinément élevé, ce qui est vraiment désespérant. Alors, dans nos pays, et je pense que nos amis du panel vont le reconnaître également, nous avons des économies qui sont dépendantes des financements extérieurs, et donc les réformes que nous appliquons souvent sont prescrites par les financeurs internationaux. Et du point de vue des financeurs internationaux, souvent, aux mots que je viens de décrire, les recettes qui doivent normalement nous sortir de cette situation, ce sont des recettes de libéralisation, de privatisation des actifs de l'État, des recettes de discipline budgétaire. Alors, quand nous regardons un petit peu comment ces recettes sont appliquées, nous voyons que quand les réformes sont appliquées, elles ne le sont pas appliquées suffisamment ou vraiment, elles sont partielles, parfois elles sont cosmétiques. Quand elles sont appliquées, elles mènent parfois à des résultats négatifs, donc un impact social important. Et parfois, elles ne génèrent pas les effets vertueux escomptés. Il en résulte que les Marocains, comme les Algériens, comme les Tunisiens, sont aujourd'hui fatigués de la lenteur du progrès ou du développement économique, si l'on peut parler de cela dans notre région. Ils ont vu des politiques publiques capturées systématiquement par des intérêts privés. Ils vivent au jour le jour l'augmentation du coût de la vie. Ils vivent au jour le jour le manque d'opportunités et le désenchantement. Et ils manifestent, nous le voyons, ils manifestent régulièrement. Alors, je souhaiterais mettre un petit peu l'accent, juste pour une minute ou deux, et je me tiens au chrono, sur une des formes de manifestation sociale qui a été le boycott que nous avons vu en avril de cette année au Maroc. C'est tout aussi intéressant que les chants du public du Raja que nous avons vu dans les stades. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cet événement, donc il y a trois grands groupes qui opèrent au Maroc, ont été boycottés d'une manière assez poussée par le public marocain. Ce sont des groupes qui produisent des produits de première nécessité comme le yaourt, le lait et de l'eau en bouteille et aussi le carburant. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un boycott qui a été ciblé envers ces entreprises. Et peut-être, les raisons derrière le boycott ne sont pas parfaitement comprises, mais peut-être qu'elles reflètent un sentiment chez les Marocains que leur bien-être est négligé, en contraste avec celui de grands groupes qui sont prospères, qui ont de larges parts de marché et qui sont politiquement connectés. Et je pense que ce point-là est vraiment intéressant pour comprendre un petit peu la nature des économies de nos pays.
Alors, des grands groupes qui dominent leur marché, qui sont des opérateurs souvent proches du pouvoir politique. Au Maroc, il y a une appellation pour eux, c'est champions nationaux. Certains d'entre vous sont peut-être familiers de ce nom. Il est un peu moins utilisé aujourd'hui, mais il a connu son heure de gloire au milieu des années 2000. Et c'était dans un contexte où il y avait des entreprises du secteur énergétique et du secteur financier qui avaient fusionné, créant des entités de très grande taille, de taille tellement grande qu'elles ont dû ou qu'elles ont décidé d'aller opérer en dehors des frontières, de manière à rechercher des revenus qui n'étaient peut-être pas suffisamment disponibles au sein des frontières. Donc elles ont entamé une expansion commerciale au niveau continental, dans un contexte de taux de croissance qui était peut-être un peu en berne en Europe, mais qui était peut-être plus attrayant au niveau des marchés africains. Et l'idée avancée à l'époque, derrière cette notion de champion national, c'était que ces entités allaient permettre au Maroc d'être plus influent, d'être plus compétitif au niveau international, et qu'elles allaient permettre de faire face à la concurrence qui était exercée par les multinationales qui venaient frapper donc aux portes de notre marché. Le Maroc, comme vous le savez, est en effet un membre de l'Organisation mondiale du commerce depuis plusieurs années. Et bien sûr, il a signé de nombreux accords de libre-échange. Donc la mondialisation était quelque chose avec laquelle nous vivons depuis plusieurs années. Donc au départ, la logique était défensive et elle était aussi offensive. Donc recherche de revenus et de débouchés. Mais je pense que la qualité de champion national de ces opérateurs doit être relativisée pour plusieurs raisons. Dans l'ensemble, ces firmes qui ont donc ce label, elles couvrent en fait une réalité qui est diverse. Il y a des grands groupes qui opèrent avec des activités diversifiées, il y a des groupes qui sont dans les services, il y a un opérateur qui est dans l'industrie particulièrement, qui est l'Office chérifien des phosphates. Il y a des opérateurs donc, qui sont possédés par l'État, d'autres qui sont possédés par le privé, d'autres qui sont contrôlés par le capital étranger. Et certes, elles sont présentes à l'international, mais pensons-nous que la présence du Maroc dans le commerce international, est-ce qu'elle reflète véritablement une qualité de champion? Et je pense que non, puisque dans les échanges mondiaux, le Maroc représente à peu près 0,14% des échanges de marchandises, toujours selon les chiffres de la Banque mondiale en 2016. Maintenant, si ces entreprises vont à la conquête de l'Afrique, c'est en étant soutenues et accompagnées par un effort diplomatique. Et qui se traduit par une mobilisation des ressources, une mobilisation des réseaux en leur faveur. Donc on peut se poser la question, quel est l'agenda qui prime là-dedans? Est-il un agenda économique ou un agenda politique? Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il faut relativiser ce statut de champions nationaux, la principale, c'est que ces entités ne sont pas des résultats d'un terreau naturel qui est la politique industrielle. Ce ne sont pas véritablement le résultat d'une politique publique ciblée de création ou d'encouragement des champions nationaux. Ce sont plutôt les résultats de l'évolution de notre économie à travers différentes politiques publiques qui n'étaient pas ciblées envers eux, et une économie qui a été soumise aux pressions, mais aussi aux opportunités de la mondialisation. Donc, certains, et à raison, de ces opérateurs sont accusés d'avoir prospéré à coup de rente, à coup de soutien et d'avantages donnés par l'État, des avantages qui sont plus ou moins formalisés. Donc, effectivement, les interactions entre les firmes politiquement connectées et l'État mènent parfois à l'obtention d'avantages qui peuvent être légitimes au départ, mais qui, pérennisés, deviennent illégitimes. Et c'est ce que nous vivons dans nos pays et que les économistes appellent le capitalisme de connivence, qui, je suis sûre, vous est familier. Maintenant, les champions sont aussi parfois soupçonnés d'être des véhicules du maintien du pouvoir politique et du contrôle du pouvoir politique sur l'économie. Donc ce n'est peut-être pas un hasard si ce boycott dont nous avons parlé tout à l'heure a été dirigé envers des entités de cette nature. Maintenant, si on fait une lecture un peu systémique du capitalisme marocain, on voit bien que donc ces entités, finalement, peut-être qu'elles n'opèrent pas vraiment comme des champions nationaux, comme des véhicules de développement national, comme la théorie les présente. Effectivement, pour les économistes, quand on parle de champions nationaux, ce sont des entités qui veulent être compétitives à l'international,
mais dont le rôle inclut de porter le développement économique de leurs pays respectifs. Ce sont des instruments de politique industrielle, souvent verticales, et leur gouvernement et leur nation attendent d'eux qu'elles génèrent non seulement des profits, mais qu'elles servent l'intérêt national. Donc même si elles génèrent des profits, ces profits doivent être réinvestis dans l'innovation, dans la recherche et développement, et l'innovation pas seulement technologique, mais aussi organisationnelle. Et l'une des idées derrière, c'est que quand une entité a une assise financière suffisante, elle peut faire de la recherche et du développement, chose que l'on ne peut pas forcément attendre d'une très petite entreprise ou d'une PME. Donc, dans cette perspective, nos champions nationaux au Maroc bénéficient donc de ces privilèges et de ces avantages qui sont, donc, comme je le disais, plus ou moins formalisés. Et leurs actifs et leurs stratégies font l'objet d'interférences politiques. Mais est-ce qu'ils remplissent leur rôle de développement? Et c'est la question que je me pose. Maintenant, si nous voulons parler de développement socio-économique, on peut peut-être commencer par parler de la croissance et de la richesse. Non pas que je limite la notion de développement à cela, mais simplement je veux montrer que les entités, les grands groupes marocains font une contribution à la création de richesses. Maintenant, est-elle suffisante? La question reste posée. Effectivement, donc, quand on parle d'une entité comme l'Office chérifien des phosphates, qui est la société nationale qui a le monopole de la production des phosphates au Maroc, c'est une entreprise qui contribue à peu près à 4,3% du PIB marocain, selon les chiffres de 2013. Donc, c'est significatif. Maintenant, ces entreprises peuvent aussi être considérées comme des contributeurs importants aux revenus de l'État à travers la fiscalité. Il y a peut-être 10 entreprises marocaines qui sont les plus grandes et qui contribuent à hauteur de 26% du total de l'impôt sur les sociétés qui a été versé en 2013. Et ce sont aussi des sources d'investissement. Mais il est un petit peu plus difficile de trouver des chiffres là-dessus. J'ai fait une petite recherche, mais je n'ai pas trouvé d'évaluation, on va dire, exhaustive de l'investissement des champions nationaux par rapport à l'économie en général. Mais même en tenant compte de tous ces éléments, on va dire, constructifs ou positifs, on voit bien que la croissance au Maroc reste portée par l'investissement public et par la consommation interne. Et je me demande si ce modèle est soutenable. Est-ce que ce modèle peut être perpétué? Est-ce que il me semble qu'il est plus à bout de souffle? Donc nous avons un secteur privé qui, comme peut-être dans d'autres pays de la région, n'investit pas suffisamment dans les valeurs, dans les secteurs créateurs de valeur. Donc si les champions nationaux font partie du problème, pourraient-ils faire partie de la solution? Vu leur poids dans l'économie, est-il possible d'envisager un nouveau modèle, un nouvel ordre économique, une nouvelle manière, de nouvelles articulations entre eux et l'État, entre le secteur public et le secteur privé? Et si on peut envisager ce nouvel ordre économique, on va dire, sûrement il va devoir couvrir deux réformes, deux thèmes importants qui sont la gouvernance et qui sont la lutte contre l'économie de rente et contre le réflexe rentier. Donc, je terminerai peut-être non pas sur une note d'espoir ou une note un peu plus mitigée, mais plutôt sur une question. Je vous inviterai à participer avec nous à cette réflexion. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des relations plus transparentes, plus apaisées entre le secteur privé, le grand capital et l'État dans le cadre des économies politiques de nos pays? Je vous remercie pour votre attention. Merci Selma, c'est en effet une question très très intéressante et qui appellerait presque un nouveau débat. Place maintenant à la Tunisie qui a longtemps été considérée comme un des pays les plus dynamiques du Maghreb avant d'être confrontée à une grave crise économico-sociale, politique qui commence avec la révolution de Jasmin, ainsi qu'on l'appelle, la chute du dictateur Ben Ali. Et du coup, comment ce petit pays, de par sa dimension et par sa population, se débat-il dans la mondialisation? On en parle avec Sami Hamami. Et d'ailleurs, vous nous parlez, vous êtes maître de conférence à l'université de Sfax. Sfax, c'est une des villes un peu emblématiques de l'entrepreneuriat en Tunisie. Je vous remercie. Je remercie également l'IREMO pour l'invitation. Oui, Sfax est connu pour l'esprit entrepreneurial. Mais ce n'est pas toute la Tunisie qui a cet esprit-là, malheureusement.
Je ne vais pas parler, disons, de la transition politique. Mon collègue, ce matin, en a parlé, et des effets de cette transition. Je vais beaucoup plus parler des effets sur l'économie. La crise, effectivement, par laquelle on passe actuellement, est très grave. La Tunisie est passée par des crises. Auparavant, on se rappelle la crise de 1986. Mais cette crise a été beaucoup plus liminaire dans le temps. Rapidement, on a pu, disons, trouver les solutions pour retrouver la croissance et les équilibres macroéconomiques. Malheureusement, la crise actuelle, elle dure dans le temps, depuis 2011 jusqu'à maintenant. Disons, on était dans les années 2000 avec des taux de croissance moyens entre 4 et 5%. Malheureusement, on est en moyenne maintenant à 1,7. Cette année, on est à 2,6. Bon, ça montre que l'économie tunisienne a une certaine capacité de résilience, mais ça reste toujours insuffisant pour, disons, le nombre, disons, d'emplois nécessaires. Hein. Donc là, la situation actuelle est très difficile. Hein. Si on regarde un peu les indicateurs macroéconomiques, le taux d'inflation est à 7,5%. Donc, on était dans des normes de 2 à 3%, donc on passe à 7,5%. Donc, une baisse importante des pouvoirs d'achat. Un déficit budgétaire, on passe de 3 à 6%. Maintenant, cette année, on estime à 5, 4,9%. Un déficit extérieur aussi de la balance commerciale, à peu près, jamais atteint auparavant, 5 milliards à peu près d'euros. Déficit commercial. Un déficit de la balance courante aussi énorme, plus de 10% du PIB. Donc, des indicateurs qui montrent également qui expliquent aussi la baisse de la valeur du dinar qui a chuté à peu près de plus de 20% dans les deux dernières années. Donc, une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de la valeur du dinar qui, malheureusement, n'a pas eu d'effet sur la balance commerciale, ce qui explique que, disons, la compétitivité des prix, tellement recherchée peut-être bien par cette dépréciation, n'a pas eu l'effet escompté. Et donc, là aussi, il faut repenser, vous voir un tout petit peu, quel est l'effet aussi de cette dépréciation sur la balance commerciale. Alors, le déficit budgétaire aussi, en augmentant, il a entraîné, disons, l'endettement. Maintenant, on est à plus de 70% en matière de dette publique. Donc, c'est alarmant. Hein. La dette extérieure également. Donc, trop de pression sur le budget. Le budget, il est presque à 40 milliards de dinars, mais il faut se rappeler que uniquement 6 milliards sont consacrés à l'investissement. L'autre est consacré à des dépenses de fonctionnement ou bien à rembourser la dette antérieure. Donc, même si on demande aux gouvernements successifs, et ils étaient nombreux, hein, là aussi, c'est un élément qu'il faut indiquer. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, on a eu presque 8 gouvernements successifs. C'est-à-dire, le gouvernement ne reste pas plus d'une année. Donc, ça montre l'instabilité politique et son effet aussi sur l'économie. Donc, là, plusieurs éléments qui se conjuguent et montrent également la difficulté qui pourrait se trouver à n'importe quel gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, ou du milieu, à trouver des solutions adéquates parce qu'il n'a pas assez de temps, effectivement, pour réaliser ses programmes. Donc, même la coalition, disons, de 2016, malheureusement, n'a pas eu aussi la chance de travailler et de trouver également les moyens de ressortir l'économie tunisienne de cette situation. Alors, il faut indiquer aussi l'importance du secteur informel. Hein. Là aussi, c'est endémique, hein, c'est plus de 50%. De l'économie. La formelle, c'est plus de 50%. On était dans des normes de 20 à 30% avant, donc on est passé à plus de 50%. Et également, ne pas oublier également les liaisons qui existent entre l'informel et tout ce qui est circuit terroriste et financement du terrorisme. Là également, il faut l'indiquer parce que l'informel est étroitement lié, disons, au financement des circuits terroristes. Et là, le gouvernement aussi, les gouvernements successifs, trouvent également des difficultés pour limiter plus ou moins ce secteur informel. Alors, donc, voilà sur le plan, macroéconomique, quels sont les... le tableau est, disons, tous les indicateurs sont presque au rouge.
Bien sûr, mais il faut quand même espérer, toujours espérer, que le gouvernement actuel trouve, disons, le moyen, disons, de rétablir les grands équilibres macroéconomiques. Parce qu'on ne peut pas penser à une croissance sans que les équilibres macroéconomiques soient rétablis. Alors, pour parler de modèle de développement et pour parler de l'histoire, vous savez, en Tunisie, pour relier ça à l'ouverture, l'économie tunisienne était toujours une économie ouverte, basée essentiellement sur l'attrait des investissements directs étrangers. On se rappelle la loi 72 qui consistait à donner plusieurs avantages fiscaux et financiers pour les investisseurs étrangers. Malheureusement, ce modèle qui était nécessaire à ce moment-là, parce qu'on avait besoin de créer des emplois, on avait besoin de créer un tissu industriel local, donc on essayait d'attirer le maximum d'investissements. Mais ce modèle se basait également sur la compensation, sur les subventions, pour maintenir les salaires bas. Donc, ce que appellent certains le dumping social. Donc, ce modèle, malheureusement, a commencé à montrer son essoufflement à partir de la fin des années 2000. Et c'est peut-être bien l'une des raisons de l'éclatement de la révolution de 2011. C'est qu'on ne peut plus maintenir ces salaires assez faibles et continuer uniquement à attirer des investissements à faible valeur ajoutée. Et là, on revient à l'investissement, parce que l'investissement indirect étranger, tous les pays recherchent à attirer les investissements, mais ils n'ont pas n'importe quel type d'investissement. Les investissements en Tunisie étaient beaucoup plus dirigés vers des secteurs comme le textile, la confection, un peu le tourisme et le bâtiment. Maintenant, c'est vrai, il y a d'autres secteurs vers lesquels l'investissement se dirige. On est content que ça se dirige beaucoup plus vers les équipements électriques et électroniques, qui peuvent avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante et monter aussi dans la gamme et dans la chaîne des valeurs, mais ça reste toujours timide par rapport à l'ensemble des investissements. Donc la Tunisie se base effectivement sur le tourisme également, mais là également c'est un élément fragile parfois, parce que on a vu que certains, disons, épisodes terroristes avaient des effets importants sur le tourisme, et automatiquement, le solde de la balance courante sera automatiquement affecté, et ça sera un effet direct sur la valeur du dinar tunisien. Alors, en matière de politique économique actuelle, comment on peut repenser les politiques économiques? Bien sûr, ça également, c'est un point difficile, parce que réduire les déficits budgétaires, mais là, ça pourrait avoir des effets sur la croissance. Ne pas augmenter les salaires, parce que les augmentations de salaires peuvent augmenter la masse salariale. Et là, nous sommes déjà à 14% par rapport au PIB dans la fonction publique. Et le FMI nous demande de revenir à 12%. Ceci est une des raisons qui a bloquer les négociations actuellement entre l'UGTT et le gouvernement actuel. Et d'ailleurs, ça bloque depuis maintenant quelques semaines. Donc, je dirais qu'il faut une politique budgétaire, disons, moins laxiste, c'est vrai, mais il faut toujours continuer, disons, à avoir cet aspect social tant, développé depuis l'indépendance en Tunisie. En matière de politique monétaire, et là, je relis un tout petit peu l'inflation et bien sûr le budget, et les derniers rapports de la Banque centrale montrent effectivement qu'en 2015 et 2016, l'inflation était beaucoup plus d'origine budgétaire, que le laxisme budgétaire était à l'origine de l'augmentation de l'inflation, mais en 2017 et 2018, là, l'inflation est beaucoup plus monétaire. C'est qu'on a constaté que la liquidité dans l'économie a triplé et que les pressions inflationnistes proviennent, entre autres, de l'augmentation sensible de la liquidité et aussi des mécanismes, bien sûr, de transmission, d'autres mécanismes de régulation qui ne sont pas corrects dans l'économie. Donc, ça a entraîné la Banque centrale à augmenter sensiblement les taux d'intérêt, mais malheureusement, ça n'a pas eu également
l'effet escompté sur le taux d'inflation qui, j'ai dit tout à l'heure, était de 7,5%. Donc, en matière de politique économique, là également, à part, disons, l'action sur les taux d'intérêt, il faut que, d'un point de vue monétaire et d'un point de vue budgétaire, trouver les moyens de réduire un peu les déséquilibres macroéconomiques, internes et externes, les twin déficits, et également réduire un tout petit peu les taux d'inflation. Alors, les sujets les plus importants maintenant en débat en Tunisie, c'est également l'ouverture. Hein. Et là, c'est peut-être bien un point qui pourrait relier tous les pays du Maghreb. C'est l'ALECA. Alors, on négocie l'accord élargi, disons, complet élargi avec l'Union européenne. Vous savez qu'on a négocié en 1995 l'accord d'association. Et Martin, maintenant, certaines analyses disent que cet accord, malheureusement, n'a pas eu des effets positifs. Il y a plusieurs entreprises qui ont fait faillite. Il y a eu plusieurs pertes d'emplois. Donc, là également, des voix se lèvent pour négocier, ne pas négocier en plus. En 1995, la Tunisie a négocié seule, le Maroc après a négocié seul et l'Algérie un peu plus tard. Donc c'est l'occasion peut-être bien pour le Maghreb, pour que les trois pays négocient ensemble hein, l'ouverture plus élargie de l'économie, d'autant plus que ça va concerner des secteurs sensibles comme l'agriculture et les services. Donc plusieurs voix maintenant se lèvent en Tunisie pour dire attention, il ne faut pas négocier ce sujet rapidement. Il faut aussi obtenir un laps de temps beaucoup plus lent pour cette ouverture, obtenir plus aussi de financement pour la mise à niveau, parce que la mise à niveau des entreprises dans les années 90 n'a pas été tellement importante et que, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs entreprises ont fait faillite et on n'a pas pu avoir un niveau de compétitivité important. Donc, ouverture en matière de biens et services, c'est bien, on veut s'ouvrir, c'est la mondialisation, mais il faut aussi laisser un peu plus de temps et aussi avoir un appui non seulement financier, mais également technique pour que cette ouverture n'ait pas l'incidence, de ce qui a été dans le cadre des biens et services. En matière d'IDE, également, je reviens à un élément que je n'ai pas évoqué, c'est que les IDE, malheureusement, n'ont pas entraîné une augmentation en matière de capacité technologique. Et là, ça revient non pas à la nature de l'ouverture, mais peut-être bien à la capacité d'absorption de l'économie tunisienne et des entreprises tunisiennes et des firmes multinationales qui viennent investir, mais qui n'impliquent pas les industries locales. En Tunisie, j'ai parlé tout à l'heure de la loi 72. La loi 72 a entraîné la division de l'économie en deux secteurs, ce qu'on appelle le secteur offshore et le secteur onshore. Le secteur offshore, il faut savoir, les exportations tunisiennes sont réalisées à hauteur de presque 70% par les sociétés offshore et qui, pour la plupart, ne rapatrient pas les devises parce que les devises restent à l'étranger. Ils payent uniquement les salaires et puis c'est tout. Et donc, c'est un manque à gagner important. Et puis, ces entreprises-là ne sont pas impliquées dans la R&D et dans l'innovation. Et il n'y a pas de transfert d'investissement en matière de R&D. Il n'y a pas de délocalisation de dépenses ou bien d'investissement en R&D en Tunisie. D'ailleurs, en Afrique, de façon générale, c'est très, très faible. Donc, là, également, en matière de politique industrielle, je pense que le système national d'innovation en Tunisie, sur lequel Xavier connaît un peu le sujet, on a tellement parlé de ce système-là, et malheureusement, là aussi, c'est le moment de revoir, faire le bilan de ce qui a été fait depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'effectivement, les recherches qui s'effectuent pour la plupart dans le secteur public, dans les universités ou bien dans le secteur public, est-ce que ces recherches ont un impact positif sur les entreprises et sur la croissance ou pas? Pour,
pourquoi les entreprises n'effectuent pas de recherche, comme a dit la collègue tout à l'heure, parce que ce sont des PME, peut-être bien, hein, et qu'elles ne sont pas tellement incitées à réaliser des recherches. Là également, il faut trouver les moyens d'inciter davantage les entreprises tunisiennes à faire de la recherche-développement. Donc, un problème en matière de faire un tout petit peu le bilan de tout ce qui a été réalisé pendant les 15 dernières années en matière de politique industrielle, d'incitation aux entreprises, la création des pôles, des technopôles également. On a créé une dizaine de technopôles, mais malheureusement, il y en a une ou deux qui a percé, et puis les autres, c'est des fiascos total. Donc on a mis beaucoup d'argent, mais malheureusement, les effets d'entraînement sur le secteur sur les entreprises locales n'a pas été aussi important. Donc, peut-être bien à la fin aussi dire deux mots aussi sur, bien sûr, il faut quand même une certaine note d'espoir. Une note d'espoir en Tunisie, c'est aussi les jeunes. Les jeunes, c'est à la fois les problèmes et la solution. Hein. Vous savez, maintenant, je n'ai pas parlé du chômage. Le chômage actuellement, il est à 15,5%. 15,5%. 30% pour les diplômés du supérieur, hein, 30%. Il est aussi disparate par rapport aux régions. Dans les régions côtières, on reste à 15,5%, mais quand on entre dans les zones défavorisées, on peut voisiner les 25-30%. Donc, en matière de diplôme, effectivement, on constate actuellement que 54% des diplômés, c'est des filles. Et 46% c'est des garçons, mais 54% des garçons trouvent un emploi et uniquement 38% des femmes trouvent un emploi. Donc l'avenir de la Tunisie, c'est dans ces jeunes et dans ces femmes, parce que il faut, comme on a dit ce matin, il faut que les deux marchent ensemble. Il faut donner. Et moi, si je suis content qu'en Tunisie, on va voter cette loi sur l'égalité en matière d'héritage, ça permet d'avancer sur ce plan-là. Je crois que, effectivement, l'espoir est de donner plus de chance, parce que ce sont les jeunes qui ont fait cette révolution. Et quand ils ont fait cette révolution, ils ont demandé, certes, des emplois, ils ont demandé la démocratie, mais ils ont demandé la dignité. La dignité. Est-ce qu'ils ont cette dignité actuellement? Je ne crois pas. Donc il faut donner plus de dignité, plus de chance, parce que c'est maintenant les vieux qui gouvernent. Donc il faut donner beaucoup plus de chance aux jeunes de gouverner le pays. Et je vous remercie. Merci, on va Voilà, on va pouvoir passer. Voilà, excusez-moi. Et donc, je disais merci, Samy. On va pouvoir passer aux questions avec la salle. Mais moi, avant de donner la parole à la première question, je voudrais juste poser une question à nos quatre intervenants qui, je crois, est importante, en fait. C'est que depuis des décennies, on a une crise qui court entre le Maroc et l'Algérie autour du Sahara occidental. Et on peut qu'être tous d'accord là-dessus pour dire que cette rivalité, cette fracture mine le développement du Maghreb à l'échelle économique notamment. Et j'aimerais, puisqu'on a là autour de la table des chercheurs venant de ces trois pays, et on a aussi je pense à vous Abdennour, un ancien patron dans le public, le privé, qui est passé aussi au sein des différents gouvernements algériens, qui a été ministre, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Voilà, en quoi est-ce qu'on a un espoir qu'un jour il y ait une réconciliation qui permette justement enfin de développer un Maghreb véritablement uni pour pouvoir aller négocier sur le plan européen tous ensemble et surtout pour s'unir dans l'épreuve et face à ce rouleau compresseur aussi qu'est la mondialisation? Je pense qu'il serait beaucoup plus fort aujourd'hui s'il n'y avait pas cette rivalité-là.
Commençons peut-être avec vous, Sofiane, et puis on va faire un tour de table. Oui, alors pour revenir à cette question du Sahara, quand on voit les cartes géographiques de ces pays, quelque chose nous dit qu'il y a un truc d'anormal. Ça veut dire que franchement, c'est que le tracé ne correspond à aucune, dimension naturelle. Deuxièmement, j'avais pendant longtemps cru qu'en effet, c'était des gens au Sahara qui voulaient leur indépendance et donc le Maroc voulait récupérer, que l'Algérie soutenait ceux qui... Et puis au fur et à mesure, je connais très bien le Maroc, j'y vais quasiment une dizaine de fois par an. Et c'est vrai qu'en discutant avec des amis marocains, ils m'ont dit, attention, au sein même du régime marocain, il y a des gens qui souhaitent entretenir cette situation-là de par, justement, les privilèges donnés, justement, à cette région du Sahara dont ils en profitent. De l'autre côté, franchement, me faire croire que les Algériens, leur seul souci, c'est tout simplement le respect des peuples et de l'autodétermination des nations... Ma seule remarque, ça aurait de dire pourquoi le gouvernement algérien n'a pas respecté déjà les décisions et les résultats des scrutins qui sont déjà en Algérie. Donc je pense que c'est une situation un peu compliquée. Et juste pour terminer, il y a un responsable marocain dont je tairai le nom même sous la torture, qui m'a dit c'est vrai qu'il y a une ville commune à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, qui s'appelle, pour en traduction, les deux ânes, en fait. Et puis il m'a dit, chacun a le sien. Je peux intervenir, un point d'ordre. Attends, peut-être on fait dans l'ordre seulement. Tu veux... Bon, allez, appuie là. Je pense que nous sommes réunis autour d'un thème du colloque. Si vous posez un problème aussi délicat que celui qui est traité dans le cadre d'un nombre de réunions interminables, non seulement on ne pourra pas y répondre, on n'apportera aucune solution, nous ne sommes pas qualifiés pour apporter une solution, mais nous n'allons pas répondre aux questions qui vont nous être posées dans le cadre des exposés qu'on fait. Il me semble qu'il vaut mieux rester, dans notre sujet. Attendez. C'est pas que je ne veuille pas. Ouais. Chacun d'entre nous a un point de vue. Oui. Mais on reste sur le thème du colloque. Ah oui, non, mais il ne s'agit pas de résoudre la question du Sahara occidental. Oui, c'est comment, en fait, ce problème est un frein à l'économie et un Maghreb uni. Moi, c'était uniquement ça, ma question. Dans le cadre des exposés qui ont été faits, et poser aux intervenants des questions sur les exposés qui sont faits. Oui. Je pense qu'il faudra... Alors, on va passer... Salma, vous vouliez avoir apporté quelque chose ? Oui, je vous promets. C'est le thème en plus de la troisième session. C'est le sujet de la troisième session. Je vous promets que ma réponse sera faite en 30 secondes. Oui. Je ne suis pas académique, mais en faisant ma recherche sur les champions nationaux, j'ai appris une chose. Quand on n'aime pas une question, on peut la changer. Et je vous propose qu'on change la question de Sahara occidental, conflit politique, etc. Changeons-la vers quelle est la conséquence, quel est le déficit d'intégration, quel est le coût du déficit d'intégration. Alors il y a quelqu'un de très qualifié, beaucoup plus qualifié que moi, qui a fait cette recherche. Et c'est Anwar Bouhars du Carnegie Endowment. Et il a proposé un chiffre qui est des centaines de milliards de dollars sont perdus chaque année de coûts. Parce que nous n'avons pas suffisamment d'intégration. Maintenant, je consacre les 10 dernières secondes à ce désir d'imaginer quelque chose de nouveau. Imaginons si dans quelques années, l'OCP pouvait établir un partenariat avec la Sonatrach sur, par exemple, la production des fertilisants. Et que ce que le Maroc est en train de faire aujourd'hui en Afrique, s'il pouvait le faire plutôt avec le voisin algérien, imaginons quel type de synergie, quel type de gain pourrait être réalisé. Monsieur, je vais vous lever le doigt. Allez-y. Oui, je vous remercie. Je suis arrivé un petit peu en retard. J'ai pris en cours l'intervention de monsieur Soufiane Tahi. Je souscris parfaitement à ce que vous avez dit en termes d'analyse. Là où j'ai du mal un petit peu à vous suivre, parce que tout ce que vous avez dit, l'intégration, je me retrouve dans des analyses qui ont été très développées. Je l'ai cité ce matin, un grand penseur que vous devez certainement connaître, Mahdi El-Manjra, qui avait fait des études prospectives. C'est une référence exceptionnelle.
et ces travaux font autorité, feront. Mais quand vous dites le rôle de la France a un rôle à jouer. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment, alors que la France, justement, on aimerait bien, moi aussi, mais la France joue un jeu plutôt contraire à ses aspirations, ça veut dire qu'elle a tendance à entretenir l'état dans lequel se trouve justement ses... Elle a intérêt à ce que le statu quo continue. Donc, c'est ma première question. Madame Salma Maoud, il se trouve que j'étais enseignant-chercheur universitaire au Maroc et j'avais travaillé à côté d'un ancien député qui est devenu ministre sur les privatisations. Bah, tous les fleurons, justement, à l'époque, ont été transférés. C'était un saccage. Et il se trouvait justement qu'un de mes profs, qui était prof de contrôle de gestion, c'est lui qui pilotait la privatisation. Aucune pensée politique ni vision stratégique. Et on a vu les résultats. Alors, les fleurons, les leviers ont été transférés, justement, soit au privé avec une certaine connivence. Quand vous parlez public-privé, j'ai du mal à vous suivre. Quel public et quel privé, j'ai envie de dire. Et pour finir, Monsieur Sami Amami, vous avez parlé tout à l'heure de négociation. Mais comment on peut négocier ensemble si on n'a pas un espace avec des dirigeants doté d'une vision, et je reviens à la prospective, est-ce que les dirigeants ont une vision? Aucune. Est-ce qu'ils ont une stratégie? Aucune. Est-ce qu'ils ont un plan d'action? Aucun. Eh bien, l'avenir nous dira justement les conséquences. Merci. Alors... comment on fait? On procède, on prend toutes les questions, parce qu'il y a beaucoup de doigts qui se lèvent. Voilà, vous allez vous souvenir. Allez. Donc on en a, voilà, une madame. Oui, moi la question, je voudrais la poser à Serno Caravan, parce que j'ai le privilège de... Ah, je sais, oui, micro, pardon. Voilà, c'est bon. Alors justement, Monsieur Sfiane, je viens de cette région d'Eljeux-Brel, donc d'Oujda, où nous avons fait un petit peu le lien entre le Maroc et l'Algérie. Monsieur Kamam, moi, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé des électriciens. Effectivement, ils se rencontrent et on sait que c'est très vivant. C'est la même chose pour les cheminots. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je prenais le train de Casablanca, Oujda, Oran, Alger, jusqu'à Tunisie. Je sais, et ça courait très bien. Et les cheminots se rencontrent encore aujourd'hui. Les corporations se rencontrent. De même pour les patrons. Les patrons aussi se rencontrent. De même, les intellectuels. Par exemple, j'ai appris, bon, Rachid Memouni est mort à Tanger. Vous avez évoqué tout à l'heure Tanger. Mouloud Amri a passé son adolescence au Maroc. Donc les liens sont très très forts. Alors c'est quand même s'il y avait une seule initiative à lancer, par exemple, pour agréger, pour cristalliser cet élan qui existe dans le fond des cœurs. Parce que quand on vous écoute, moi j'ai l'impression, comme a dit c'est M. Driss, mon ami, la collègue, c'est pas la France, je ne crois pas, comme vous dites, c'est dans notre chair, dans notre sang. Il faut absolument trouver à l'interne même et faire transcender cette intelligence collective au lieu de cette allégeance. Alors, c'est quand même, s'il fallait lancer une ou deux initiatives pour justement agréger cet élan maghrébin qui nous manque tant et qui nous manque par rapport au formidable défi de demain, à savoir la migration, à savoir le changement climatique, à savoir la sécurité alimentaire. Selma a parlé de cette fertilisant. Demain, les gens vont crever de faim parce que nous sommes dans les importations énormes de blé, de céréales. Donc, s'il fallait une ou deux initiatives, vous qui êtes de la génération de ces Mohamed Boudziaf, Allah rahma, qui a beaucoup vécu, que j'ai connu, avec qui j'ai beaucoup vécu pendant 30 ans, et qui a été, rappelez-vous, en plein public, a été donc liquidé, assassiné, parce qu'il portait le Maghreb en lui. Lui, il portait, il disait, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu au Maghreb, il faut faire ce Maghreb si nous voulons nous en sortir. Alors, Monsieur Kamel, par rapport à votre génération, notre génération, qu'est-ce qu'il faudrait faire, une ou deux initiatives pour créer et construire ce Maghreb? Merci. Allez-y, je vous en prie, Monsieur Kelaman, on va peut-être prendre cette question. Et je préfère qu'on prenne déjà trois questions, parce que sinon, je crains que les intervenants ne se souviennent pas. Il y a beaucoup de questions et des questions intéressantes, hein, parce que moi, j'ai résolu d'être positif, d'être concret et d'être maghrébin. Donc, c'est dans ce cadre-là que je veux répondre aux questions qui sont posées.
éviter la description plus ou moins caricaturale de tel ou tel pays. Je suis d'accord. Je regrette d'ailleurs que le professeur Mouhoud ne soit pas là, et parce que je pense que certains n'étaient pas là ce matin. Il a bien expliqué que le schéma de l'Europe ou de la France face à chacun des pays du Maghreb ne marche pas. Il a expliqué pourquoi. Il a même conceptualisé et donné les éléments technico-économiques. C'est quelque chose qui ne marche pas. Les liens bilatéraux, les liens... Aujourd'hui, il y a des liens, mais les pays du Maghreb font les 80% de leurs échanges avec l'Europe, en particulier avec la France. Ce n'est pas pour autant qu'ils se portent mieux ou que cela contribue de quelque manière que ce soit à leur croissance. Par contre, si les pays maghrébins font un accord, comme vient de le dire Sissami, un accord commun avec l'Union européenne, ils ont plus de chances, ils auront un pouvoir de négociation plus fort, de manière à pouvoir imposer un certain nombre de clauses qui aujourd'hui ne nous sont pas octroyées. Il est évident que le système selon lequel l'Europe va nous aider, ou la Chine va nous aider, ou la Russie va nous aider, c'est quelque chose qui ne marche pas. On a essayé, chacun d'entre nous a essayé. Il y a ceux qui ont essayé avec tel pays, ceux qui ont essayé avec tel groupe, mais ça ne marche pas. Et c'est logique. Ça ne peut marcher que si nous sommes plus intégrés. D'où la solution passe d'abord par l'intégration. L'intégration comment ? Par des actions quotidiennes, madame. Il n'y a pas que les dirigeants qui doivent des initiatives. Je peux vous assurer que quand on a pris la décision de faire des interconnexions électriques, et c'était dans les années 75-76, donc les problèmes de la région commençaient à se poser. Les décisions ont été prises au niveau des entreprises. Les liaisons ont été faites. À aucun moment, nos dirigeants politiques nous ont dit « ne le faites pas ». Jamais. Ça a toujours été encouragé. Tout ce qui va dans le sens de la construction du Maghreb a été encouragé. Moi, je sais que tous les présidents qu'on a eus, tous les chefs de gouvernement m'ont toujours autorisé, quand j'étais dans l'entreprise, à aller dans ce sens. Et nous sommes allés dans ce sens. Ce qui se fait aujourd'hui, je vous ai dit, dans le domaine du comité d'électricité pour les énergies renouvelables, il se fera et c'est une action concrète dans le sens de la construction. Ce qui s'est fait dans le sens des chemins de fer, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois avec nos amis des chemins de fer au même moment dans l'un des pays où on se rencontrait tous les semestres. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut y aller. Et vous parliez de recherche et développement. Quel est celui de nos pays qui peut se permettre une recherche, un grand centre de recherche et de développement dans le domaine des renouvelables, par exemple? Ce n'est ni la Tunisie, ni le Maroc, ni même l'Algérie avec ses ressources. Mais ensemble, on peut constituer des centres de recherche pour promouvoir des politiques industrielles dans le domaine de la fabrication des équipements. Il n'y a pas de miracle, madame, c'est clair. Et je crois que nous avons les intelligences suffisantes pour faire face à ces problèmes. Il faut le faire. C'est par l'action quotidienne, chacun dans le cadre de son activité. Pardon ? Manque la volonté politique. Bien sûr, allez-y, Samy. Oui, tout simplement pour dire que il y a des études qui ont été faites il y a longtemps sur le coût du non-Maghreb. On sait qu'on perd à peu près 2% du PIB par an. Deux points de croissance. Deux points de croissance et presque 100 000 emplois. Donc c'est clair. Deux points de croissance, c'est important quand même. Au moins, il y en a qui disent deux, il y en a qui disent trois. Au moins trois. Mais si on reste à 2%, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Donc, c'est important. Mais je sais aussi que c'est difficile de se mettre d'accord pour négocier. Mais sur un point particulier, quand même, on peut se rassembler hein, si les intérêts convergent. Et d'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, les accords de Barcelone, malheureusement,
n'ont pas donné les effets escomptés, eh ben, il vaudrait mieux, actuellement, quand il s'agit d'ouvrir davantage nos économies, que l'on négocie ensemble, qu'on trouve le moyen. Je sais que la volonté politique est toujours, nous manque un tout petit peu, mais sur un sujet, au moins, on peut arriver à s'entendre. Vous savez, on présente toujours les économies, surtout le Maroc et la Tunisie, comme étant des économies concurrentes. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des économies complémentaires sur plusieurs points, surtout actuellement. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, et même si on est concurrent, cela n'implique pas qu'on ne s'unit pas. Donc, et l'Europe est un exemple, disons, assez clair sur ce plan-là. Je vous remercie. Alors, vous voulez répondre ? Ah oui. Alors, attendez, on va prendre juste la question de monsieur. Merci, madame. J'ai une question concernant la, je peux dire, la profondeur africaine du pays du Maghreb. Est-ce qu'il peut contribuer ou il peut contribuer à cette union de l'Union du Maghreb, étant donné que l'Union du Maghreb, il est le seul regroupement régional qui n'est pas intégré. Voilà ma question. Merci. D'accord. Et Ali. Le rouge, d'accord. Ok, je pensais qu'on en parlerait peut-être dans la prochaine session, cette question des relations algéro-marocaines, et, mais comme elle revient sans cesse... Alors, juste, moi, si j'ai posé cette question-là, c'est pas pour des... Elle se pose dans la prochaine table ronde sur des questions sécuritaires et stratégiques et sécurité dans la région du Maghreb. Moi, c'est une question économique, voilà. Justement, non, enfin bon, c'est parce qu'on en parle que j'allais me permettre d'en parler aussi, peut-être, et de dire l'histoire, et l'histoire récente, on ne la voit pas, parce que des perspectives de solutions, de problèmes aussi délicats que le problème tabou de la question du Sahara occidental, il y en a eu. Et très récemment, en 1969, et par le biais économique, on occulte cela, mais en fait, 1969... Il y a eu donc les accords de Sreelat, de Ifren, pardon, entre Boumediene, etc., et où toute cette question sacralisée et par le Maroc et par l'Algérie ont été désacralisées. Et entre autres, une des issues qu'il y a eu, c'est cette unité commune au niveau du Sahara occidental, qui faisait participer aussi bien l'Algérie, le Maroc que les Sahraouis autour d'un grand complexe industriel où aurait été importé le fer algérien qui n'avait pas justement de débouchés, etc., où aurait été créée une vraie façade atlantique, si je peux dire, etc. Et donc, en fait, tous ces discours sacralisants n'ont aucun sens. Et il s'agit juste de regarder l'histoire immédiate. Ce que raconte le Maroc ou ce que raconte l'Algérie, ça n'est que des constructions idéologiques visant à cimenter des unités nationales dans le sens agressif. Je n'ai pas le temps de développer, ce n'est pas pour être de la pub. Le 10 novembre, j'ai fait un article au Huffington Post sur ça, en expliquant toutes ces questions. Malheureusement, j'ai eu, sur ma messagerie, sur des trucs, 287 messages insultants. Seul un journaliste algérien, Abed Sharef, m'a posé des questions. Alors que je regrette qu'aussi bien côté marocain qu'algérien, c'est pour dire que c'est une question qui est encore très, très sensible. On l'a vu. Mais notre rôle à nous, intellectuels, en dehors des politiques, c'est de la poser et en dehors des sentiers battus. En dehors des sentiers battus. Voilà, bon, donc je me suis permis d'en parler alors que je pensais qu'on en parlerait dans une prochaine session. Merci. Monsieur Richer. Oui, deux remarques, je pense. Il y a eu. Les exposés ont des choses en commun, c'est d'avoir posé deux problèmes. Le premier, bon, le rôle des politiques industrielles dans la région, d'une part, et la coopération à la fois entre les pays, mais aussi entre les pays et le Nord. Donc ça, je crois que c'est une piste très intéressante. Alors, je voudrais quand même apporter une précision sur ce que disait Samy à propos des firmes multinationales. C'est que, pas seulement au Maroc ou en Tunisie, mais aussi bien en Europe de l'Est, la recherche-développement, elle est nulle. Si on regarde aujourd'hui la recherche-développement en Pologne ou en Slovaquie, qui sont les pays qui accueillent le plus d'investissements directs étrangers, qui viennent d'Allemagne, de France, etc., c'est 1,5
par rapport à 3 en Allemagne. Bon, en pourcentage, hein, si on fait les volumes, c'est autre chose. Donc, il est clair que ce n'est pas les centres de recherche des films multinationales qui vont apporter. Par contre, moi, ce qui me paraît très important, et ça rejoint un peu ce que disait Salma à propos du Maroc, c'est que finalement, et sans faire de clin d'œil au prix Nobel d'économie de cette année, Romer, un des deux, c'est le problème du savoir-faire accumulé, finalement. Parce que la force de la Tunisie, mais peut-être aussi du Maroc, c'est que par le biais de la coopération avec des firmes, il y a eu un phénomène endogène, c'est-à-dire la capacité de certains secteurs à accumuler des compétences. Par exemple, pourquoi aujourd'hui le Maroc, pourquoi la Tunisie sont capables de faire des choses très pointues dans des câbles pour les voitures allemandes ou bien des l'avionique pour Boeing, etc. C'est parce que c'est pas des firmes qui ont dit on va aller au Maroc parce que ça coûte moins cher le salaire, c'est parce qu'il y a des compétences. Hein. Même chose pour la Tunisie. Donc ça pose encore une fois le problème de l'articulation d'une politique industrielle et de son application avec soit des champions nationaux déclarés ou naissants, etc. Donc ça, à mon avis, c'est ça le problème, et ça rejoint aussi ce que disait Sofiane, c'est-à-dire les compétences, elles sont là. Il y a des compétences, hein, et il faut les débloquer. Merci. Si. Monsieur, ensuite on prendra votre question à vous, et puis ici. Bonjour. Et vous Bonjour. Juste après, monsieur. J'ai une question à poser rapidement. Est-ce que, d'abord, merci pour vos interventions. Est-ce que l'émergence, parlons de cette intégration régionale sud-sud ou intermaghrébine, est-ce que l'émergence d'une élite économique assez importante pour pouvoir à la fois créer l'intérêt d'un échange intermaghrébin et pouvoir peser sur la décision politique en faveur de cette intégration n'est pas, je dirais, nécessaire, voire indispensable pour l'intégration du Maghreb, du marché maghrébin. Merci. Madame, vous vouliez poser une question ? Allez-y. Lors de toutes vos interventions, vous avez bien insisté sur les atouts qui s'offrent aux pays du Maghreb, et en particulier, enfin, non seulement leurs ressources naturelles, mais aussi leurs ressources humaines. Moi, j'ai une question à poser à Selma Mahoud, notamment. C'est que la question des ressources humaines ne se pose pas dans les mêmes termes au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Au Maroc, nous avons près de 50% de la population qui est encore analphabète. Et la faillite du système éducatif marocain n'est plus un secret pour personne aujourd'hui. Toute la presse ordinaire, mais aussi spécialisée, on fait état. C'est assez catastrophique. Quand je dis faillite, c'est une faillite catastrophique. C'est-à-dire un système public qui est totalement laissé à l'abandon, à la ruine, vraiment en ruine. Il y a un système privé qui se développe sans aucune coordination. Et on arrive finalement à un système, je dirais même pas dual, trial, un secteur public qui n'est plus capable de former avec 50-70 élèves par classe, et on ferme des établissements publics. On est en train de les fermer dans plusieurs villes pour construire des complexes immobiliers. C'est quand même extraordinaire. Et les gouvernants nous répondent, c'est parce que le nombre d'élèves baisse. Et de l'autre côté, on a 70 élèves par classe. Mmh. Donc là, c'est réglé. Bon, d'accord. Ensuite, vous avez un système privé de qualité plus ou moins discutable, avec une hiérarchisation selon les villes et les quartiers, c'est-à-dire que ça va du plus riche au plus pauvre. Et vous avez en haut, donc du sommet, les enfants de la grande bourgeoisie qui fréquentent les écoles de la mission pour assurer leur reproduction. Mmh. Alors comment, moi, la question que je me pose, comment ce pays pourrait-il faire face demain aux technologies du futur, à l'insertion justement dans la mondialisation? Parce que si on a effectivement, si on a quelques îlots comme Tanger, comme Casablanca et d'autres villes qui se développent ou qui sont déjà développées, ce n'est malheureusement pas le cas du Maroc profond, de l'oriental. En gros, je dirais que la politique industrielle du Maroc, ou économique, s'il y en a une économique, elle a conservé ce que j'appelle le Maroc utile du protectorat. Rien du tout. Ça s'arrête là.
Merci madame. Alors malheureusement le temps file et on ne va pas pouvoir prendre plus de questions. Je suis vraiment désolée, mais on demandera à l'IREMO d'organiser encore de beaux colloques comme celui-là. Effectivement, là, madame, vous pointez une question qu'on n'a pas eu malheureusement le temps d'évoquer, qui je pense est centrale pour justement affronter un contexte de mondialisation très concurrentiel et très dur, surtout quand on est comme ça un pays du Sud considéré comme subalterne. C'est la question des systèmes éducatifs. Alors Selma, je vais vous laisser lui peut-être lui répondre ou d'autres autour de cette question-là et puis la question de monsieur également. Très bien. Merci. Je vais essayer de répondre à votre question en gardant en tête la question de la politique industrielle également. Alors, quand les institutions internationales font leur diagnostic des leviers de croissance au Maroc et de l'économie marocaine en général, la question de l'éducation, l'inadéquation de l'éducation et la formation revient systématiquement. C'est un des défis, l'une des barrières ou des entraves pour l'investissement au Maroc. Donc c'est une des entraves pour la croissance et c'est une entrave pour la création de richesses et donc pour le bien-être et le développement socio-économique du pays. Mais moi, ma contention est que oui, effectivement, le système d'éducation est délabré. Le système d'éducation tel qu'il est aujourd'hui ne permettra jamais au Maroc ni à une quelconque autre économie de se développer. Mais je fais l'hypothèse que ce n'est pas suffisant de réformer l'éducation. Je pense qu'il y a aussi un rôle à jouer pour les opérateurs économiques nationaux dans ce cadre-là. C'est-à-dire... Et je reviens à la notion de champion national. On en avait parlé tout à l'heure, on disait les champions nationaux, quand ils obtiennent des privilèges de l'État, c'est aussi avec un agenda en tête qui est, ils vont développer des ressources financières et ils vont investir dans la recherche, le développement et l'innovation. Peut-on imaginer donc des partenariats entre le secteur privé, donc entre le grand capital peut-être, et l'université et le système éducatif? Et peut-on imaginer peut-être que cette réforme de l'éducation vienne aussi du secteur privé? Non plus aller dans un mode de système dual ou à trois voies, mais essayer de utiliser la ressource que représentent ces entreprises dans nos pays pour essayer d'aller vers une éducation, une formation plus adéquate. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette table ronde. La prochaine suit sur les enjeux stratégiques et la sécurité dans la région du Maghreb. Désolée vraiment pour tous ceux et toutes celles dont on n'a pas pu prendre les questions. Merci à tous.